un grand centre commercial, il y en a à Chengdu aussi. Et la spécialité ici à Changsha, c'est qu'il y a un grand kawa, je sais pas trop si vous voyez derrière moi là. Il y a plein de monde. Du coup, il y a un kawas ici qui est vraiment fait par le vrai artiste. Hein. Donc voilà, c'est hyper célèbre. Donc il y a pas mal de monde. Je pense qu'il n'y a pas trop de monde là pour le moment encore. Je pense que dans l'après-midi, il y aura encore plus de monde. Et on vient de voir qu'il y a un grand restaurant là allemand. Donc je pense qu'on va aller manger parce qu'on a trop faim et ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé allemand. Donc voilà, j'ai commandé une bière. J'ai donc commandé une Hefe. C'est la bière hyper classique en Allemagne. J'ai commandé des nouilles, bon c'est pas très allemand mais ça fait toujours plaisir, et une bretzel, et j'adore les bretzel. En fait pour ceux qui savent pas, je suis née en Allemagne, je suis franco-allemande, c'est pour ça que j'adore les plats allemands. Et monsieur il attend, pas encore arrivé. C'est allemand quoi, régal. Bien on va. Oh là là. Oh gras. Ouais, bah allemand quoi. L'ambiance ici elle est sympa. Juste en face, juste avec la terrasse là, dehors ça doit être sympa. Mais on s'est pas mis dehors parce qu'il fait hyper chaud là, il doit faire 32 degrés. Mais il y a des chichas. Je sais pas pourquoi. Mais là il y a une chicha. Je sais pas trop si vous voyez, mais il y a du Cointreau. En fait, le Cointreau en Chine, c'est hyper célèbre pour faire des cocktails. Dans tous les bars, il y en a. Vous voyez, là, genre ici, dans le restaurant allemand, il y en a. Donc, pour tous les angevins, big up à vous, le Cointreau, il y en a en Chine aussi. C'est un robot. Robot policier. Il y a une expo Yves Saint Laurent avec un hélicoptère. Ça doit être un pop-up. Enfin, une expo provisoire. Ça va? T'es bien là? C'est trop mignon, il y a des petits bancs et tout. Ça, c'est une façon de manger local. Ouais. Ça, c'est la vie. Ça, c'est le street food en Chine. On s'assoit comme ça sur les petites tables, comme ça, et les petits. Je sais pas ce que c'est, tabouret là. Et on mange un truc fait dans la rue, là, elle est en train de préparer, la dame, on attend. Comme là, là aussi. Bon, c'est pas très hygiénique, mais c'est bon. Chengdu, il n'y a pas beaucoup comme ça. Ouais, il y en a moins en moins à Chengdu. Ouais. J'ai commandé un truc avec des fruits, ça a l'air trop bon, c'est la première fois que je vois ça. C'est typiquement ici. À Chengdu, il n'y a pas ça. C'est que des fruits, ça a l'air trop bon. Bon appétit. Ici il y a de l'encens. Il y en a beaucoup beaucoup beaucoup. Et en fait là c'est chez un moine. Et on peut prendre rendez-vous avec lui pour parler tout ça. C'est trop drôle. Donc là on est actuellement en ce moment à l'hôtel. C'est un hôtel qui est très très grand. Il fait environ 400 000 mètres carrés. Donc c'est vraiment très grand, en fait l'hôtel se trouve au-dessus et en dessous il y a un centre commercial. Vous allez voir, l'hôtel est un peu dans un style un peu communiste autrefois avec les meubles en bois, je vais vous montrer ça, vous allez voir, mais après c'est très sympa. Nous on a vraiment eu de la chance, à la base on avait pris quand même une chambre assez bien et en fait on a été augmenté si je puis dire, ils nous ont donné une chambre encore mieux. Donc on a même un salon, salon et chambre séparées, je vais vous montrer ça, donc c'est vraiment cool. Je pense que c'est parce que c'est la première fois qu'on vient ici, donc ils nous ont augmenté la chambre. L'hôtel est tellement grand qu'on se perd souvent à chaque fois qu'on prend l'ascenseur pour monter, parce qu'il y a plusieurs ascenseurs différents, parce que le couloir est à plein de couloirs différents. Et du coup on se perd à chaque fois, on n'arrive jamais à retrouver la chambre parce qu'il est vraiment trop grand. Mais par contre il est vraiment hyper beau et... Je sais pas si je peux vous montrer parce que là il fait nuit dehors. Mais en fait il y a même au milieu, il y a une cour avec un grand Bouddha. Enfin c'est vraiment un truc de fou. Bon, je vais vous faire visiter du coup l'hôtel, c'est parti. Voilà, la première salle de bain qui est très grande, avec une douche. Et en fait quand on est arrivé on s'est dit, on était un peu déçus, on s'est dit putain on n'a pas de baignoire. Mais je vais vous montrer après, vous allez voir. Ensuite, on a donc voilà le salon
qui est très grand. Coucou. Allez. Et donc là, on a les trucs gratuits, les tasses de café. Voilà, tout à l'heure, on s'est pris un thé. Ça, c'est des boissons qui sont gratuites également. Toujours le truc pour chauffer l'eau. Il y a ça dans toutes les chambres. Et voilà notre hôtel, vu de l'extérieur. Donc, vous pouvez voir à quel point ils sont fiers de leur hôtel. On peut même voir une pub de l'hôtel à la télé. Quand on allume la télé, ça c'est la pub de l'hôtel. Voilà. Voilà, ça c'est l'hôtel. Et donc en bas, ça c'est le centre commercial. Et au-dessus, vous voyez là les points verts. C'est comment ça s'appelle, c'est un nom ça. Truc pour garer les hélicoptères. Mais c'est un nom spécifique, j'ai oublié le nom. Pour garer, voilà, c'est pour les hélicoptères quoi. Il y a 9 parkings à hélicoptères au-dessus. Et je crois qu'on peut y aller, si on peut y aller. Voilà. Donc ça, c'est au milieu. Vous voyez, il y a un sorte de Bouddha, je sais pas quoi. Voilà, là, c'est le bureau. Bon, le bureau qu'on s'est un peu accaparé. Les sacs plastiques, tout ça, c'est à nous. Mais qu'on n'utilise pas. Du coup, je pense que c'est vraiment pour les businessmen. Et là, on a la fenêtre que j'ai fermée parce qu'il fait nuit, là. Je sais pas trop si on va voir grand-chose. Voilà. Donc voilà le sort de Bouddha dont je vous parlais avec un mini... Je pense que c'est un genre un sort de temple. Et donc c'est très joli. Voilà de nuit. Et voilà tout autour, vous voyez, ça c'est des chambres tout autour là. Donc voilà notre chambre. Pareil, dans un style un peu communiste. Et ici, on a une télé quand même. Ça c'est cool. Et voilà donc la deuxième salle de bain. Et donc la deuxième salle de bain où il y a encore une douche, mais il y a également une baignoire. Donc ça c'est trop cool, parce qu'en Chine les baignoires c'est assez rare dans les appartements. Nous on n'en a pas, donc ça c'est cool. Et voilà, donc ça c'est le lavabo. Coucou. Donc là, bon, ça c'est à moi hein, c'est mes trucs. Mais voilà, là on a toujours les trucs gratuits. Les deux brosses à dents, un peigne, et là aussi des petits trucs genre un rasoir, ça c'est le truc de couture si jamais on a cassé un truc. Voilà, ça c'est toujours dans tous les hôtels, même si vous prenez un hôtel un peu pourri, il y a toujours ça. Et là c'est le sèche-cheveux. Et donc là on a toujours les toilettes, et là les serviettes. D'ailleurs, ils sont trop mignons, je trouve, les gels douche ici. Regardez comment ils sont trop mignons. Voilà, je sais pas trop si on va voir. Trop mignons. Ils sont tout petits, ils sont trop bons. Donc voilà, c'est déjà la fin de la visite de la chambre d'hôtel. Il n'y a pas grand chose à montrer finalement, mais elle est vraiment grande et c'est vraiment cool. On est là pour plusieurs jours, donc ça c'est cool. Et puis en plus, comme c'est vraiment dans le centre commercial, en fait l'hôtel est au-dessus et le centre commercial est en dessous, et donc c'est vraiment trop cool. Genre, si on veut descendre prendre un truc, genre l'autre jour on a pris une douche et après on est allé au cinéma regarder un film, et après on est remonté direct chez nous, on a pris l'ascenseur. Donc c'est vraiment trop cool. En fait, habiter dans un hôtel, dans un centre commercial, c'est trop bien. Si j'étais riche, je pense que je ferais ça tout le temps. Donc là, on va aller dans une librairie. C'est une librairie qui fait café aussi. Et en fait, c'est quelqu'un qui a transformé sa maison en une librairie. Et ça a l'air d'être très mignon. Et en fait, regardez où c'est vraiment dans un coin paumé, faut vraiment trouver. Au beau milieu de nulle part, voilà, voilà. Donc faut vraiment trouver. Il y a une terrasse en haut en fait, on est arrivé par là. Il y a une petite terrasse et tout autour il y a plein d'immeubles. Un peu vieux. Surtout là, là, ça c'est les vieux quartiers ça. Et au loin on voit les buildings hyper modernes, ça fait très bizarre. Là il y a des gens qui vont accrocher leur linge. C'est trop bien ici pour accrocher son linge. Trop bien. Bon, ça aurait été moi, j'aurais mis des petites plantes, une table et une chaise pour prendre un café, mais c'est pas grave.
Donc ça, c'est une église protestante. Elle a été construite dans les années 1940 et il y a toujours des messes maintenant, tous les dimanches, il y a une messe. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est une église qui a été construite par des Chinois, pas par des étrangers. Donc ça veut dire que c'est des Chinois qui avaient déjà été, je sais pas trop comment on dit, qui ont changé de religion par les étrangers. Mais c'est intéressant et elle est très belle. Madame commence à râler, donc qu'est-ce qu'on peut le calmer? Une seule chose, c'est quoi? Prendre un café froid. Voilà, donc on a trouvé un café assez mignon quoi. Un beau style Vietnam, je sais même pas, Vietnam style c'est quoi? Mais ça a l'air comme un Vietnam quoi. Ça va madame? Maintenant on est où? Dans le café. Ici, il fait chaud ou pas? Non, il y a la pourquoi? Crème. Ah bon? Oh là là! En fait, ça, c'est une cabine juste à côté du café. Et dedans, c'est climatisé, donc... Un beau scoop, un vintage. En ce moment, c'est... Oui, ça s'appelle, c'est-à-dire c'est le 1er mai. Je sais qu'au Japon, ils ont ça aussi. En France, la fête pas. Du travail, ouais. Ben, c'est la fête du travail, c'est pas ça. Ça va, vous avez été le monde en vacances, ok. Et en fait, oui, on a une petite semaine, on a 5 jours. Je sais qu'au Japon, ils appellent ça la Golden Week. C'est-à-dire, on a 5 jours de vacances. Et du coup, tout le monde voyageait, donc il y a plein de monde. C'est super énorme. Mais bon, c'est soit ça, soit on voyage pas. Donc, ouais. Vas-y, t'as tout expliqué? Très bien, on va te laisser une chance de montrer à quel point tu connais bien la Chine. Donc ça c'est un théâtre. Je sais pas que vous m'entendez, il y a pas mal de vent. En fait c'est un théâtre qui a été fait par, qui a été construit, enfin imaginé, designé plutôt par l'architecte Hardy. C'est une femme architecte très 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 célèbre qui est décédée déjà. Elle a fait pas mal de monuments en Chine, dont celui-là. Et il est vraiment très 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 impressionnant et très très design quoi, c'est ce qu'on voit. Et vu de dessus, quand tout à l'heure on est arrivé en voiture, c'était vraiment très joli vu de dessus. Ça fait vraiment, je sais pas, comme des vagues. Enfin, j'essaierai de trouver une photo sur internet pour c'est vous montrer. Hadid, c'est Zaha. Ah voilà, Zaha Hadid. Voilà. C'est vraiment c'est très impressionnant. Très joli. Et en fait, cette artiste là, Zaha, je sais pas trop comment on prononce, elle a fait pas mal de choses en Chine, notamment l'aéroport de Pékin, ou Soho aussi à Pékin. Elle a fait pas mal de choses en Allemagne aussi. En fait, un truc c'est trop bien à Changsha, c'est qu'il y a ces scooters électriques qu'on peut louer. Donc c'est comme le vélo, vous savez, parfois je vous montre, je prends le vélo, le Vélib là. Et bien ici c'est des scooters, il y a beaucoup de scooters. Alors je sais qu'à Chengdu il y en a aussi, mais à Chengdu c'est interdit dans le centre-ville, c'est que à l'extérieur. Donc en fait dans le centre-ville on les utilise jamais. Et ici du coup, dans le centre-ville ça marche aussi. Donc c'est trop trop cool. Donc là actuellement, je regarde comme ça parce que la lumière est hyper forte ici en haut. On est sur le toit de l'hôtel. Avec ça c'est les parkings d'hélicoptères et on a une magnifique vue sur toute la ville. De nuit c'est hyper joli, on a essayé de monter hier soir mais en fait hier soir il y a un gros orage donc on n'a pas du tout pu rester longtemps. La nuit tout ça s'est allumé là, voilà ça. Et il y a 4 et ça représente Nuwa. Nuwa c'est la créatrice du monde dans la mythologie chinoise. Et en fait on peut monter comme ça si on veut. Et je pense que quand il y a vraiment des gens qui arrivent en hélicoptère, ils doivent fermer par contre. Parce que s'il y a, je sais pas si c'est des stars ou je sais pas quoi, ou des gens célèbres, je pense qu'ils doivent fermer. Mais du coup c'est très très sympa. Et donc ça c'est notre hôtel. Donc notre chambre est quelque part là. Et vous voyez au milieu il y a un sorte de temple Bouddha, je sais pas trop ce que c'est. Bon ça c'est l'hôtel qui l'a créé lui-même hein. C'est pas vraiment un temple.
就决定不放下一切，是不是天堂就算失望不能绝望，我和我骄傲的倔强，握紧双手绝对不放下一站，是不是天堂就算失望不能绝望，我和我骄傲的倔强，我在风中大声地唱这一句，为自己疯狂却这一次，我和我的倔强，cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est déjà rentré à Chengdu, on est dans notre appartement maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc Changsha, personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une très grande ville, c'est un peu comme Chengdu, c'est vraiment une grosse grosse métropole. Surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est c'est une rivière plutôt, la grande grande rivière. Il y en a deux du coup, donc ça c'est vraiment cool, se promener à côté de la rivière, tout ça c'est très sympa. Après ça reste une grande ville, donc c'est un peu comme Chengdu au final, il n'y a pas vraiment de grande différence je trouve. N'oubliez pas de suivre mon Instagram, c'est vraiment là où je poste beaucoup de choses. Mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bye bye.